Les gars, c'est compliqué la Guinée. Le sport guinéen est encore plus compliqué. Jeune homme, vous m'avez demandé une chose tout à l'heure, c'est de dire un palais des sports. Vous avez raison, depuis que je suis arrivé, je me bats comme un dingue. Et mon combat a été, d'ailleurs les journalistes, je suis très content qu'ils soient là. Mon combat a été de dire je vais organiser la CAN 2025. On avait un retard de dingue. Mais finalement, j'étais le seul à croire que je pouvais organiser cette compétition. Non pas pour organiser la compétition, parce que je voulais développer des infrastructures. Parce que si on organise cette CAN, si on développe cette CAN, on met des infrastructures. On ne met pas des infrastructures que pour le football. On va créer des halls omnisports, on va créer des centres sportifs qui vont permettre à tous les sports de pouvoir se retrouver là-dedans. C'était ça mon combat. Mais finalement, tous les journalistes étaient en train de nous allumer en disant ils sont en train de rêver, ils ne vont jamais le faire. Ils ont tout fait que la CAF est venue et nous a dit la Guinée ne sera jamais prête. Parce que les gens d'ici n'y croient pas. C'est ça le problème du Guinéen. Le Guinéen, il ne croit pas. On a une mentalité en Guinée où on n'encourage pas les gens.